Voilà, Jésus. Seigneur, nous te remercions pour grâce, merci pour miséricorde, merci pour compassion. Merci depuis matin, nous te appelons en grâce, Seigneur, depuis l'école dominicale, jusqu'à venir en adoration, Seigneur. Les arrivés, Seigneur, nous avons des paroles. Nous avons le temps pour serviteur qui pourrait porter des paroles, Seigneur. Nous avons le temps pour Seigneur, passer dans lui-même, Seigneur. Comme yon de l'eau, nous avons le temps pour nous, Seigneur. Pas quitter pour nous venir là, pour nous devenir là, Seigneur, sans nous pas venir rien, Seigneur. Nous avons le temps pour Jésus, passer dans lui-même, Seigneur. Nous-mêmes, nous pensons, nous-mêmes qui sont des os, qui sont des reins, Seigneur, ou qu'on est, Seigneur. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir, Seigneur. Mais nous avons le temps pour Jésus, passer dans lui-même, Seigneur, pour nous capables de jouer, Seigneur. Pas quitter pour nous devenir pour nous aller comme ça, Seigneur. Nous avons le temps pour nous, Seigneur. Nous avons le parole, Seigneur. Nous avons le temps pour parler, nous-mêmes, la coûte, Seigneur. Parler, tant pour nous coûter, Seigneur. Nous ne pouvons pas parce que nous bonnes nous disons, mais nous prenons en Jésus qui vit, qui est au siècle et des siècles. Amen. Toute la vie, moi, t'as souffri, t'as cherché. C'est un contentement parce que moi, nous content maintenant. Mais les gens qui sont contents, si qui sont contents comme ça tout, et attitude de compréhension, façon d'agir, fait bon Dieu content comme ça, ou déjà, je suis à droite, papa. Et bien oui. Mais si tout le bagage allait bien, ou même ou content, cet esprit content, bon Dieu content, frère Bonso, ou à droite, papa. C'est comme ça, le tadoué y est. Et je veux que chaque monde comprenne que. Maintenant, nous avons une table arrangée. Et je sentis que je voulais faire un travail. Ça fait me songer que les notes sont vraiment brisées. Bon, nous, on va présenter visite maintenant. T'as l'air, bon, je ne suis pas trop brisé. Maintenant, c'est un contentement encore pour que nous soyons capables de parler un peu de la Sainte Seine. Au lieu de prêcher comme à l'ordinaire, j'aimerais que vous. Et focus avec moi, regardez dans vos Bibles avec moi aussi. Et prends Bibou, on suit ensemble pour nous parler un peu de la Sainte Seine matin. On nous garde pour nous voir pour quelle raison on nous parler de Sainte Seine et qui ça y est. Et rapidement, m'a demandé avec un serviteur ou une servante, regardez Matthieu chapitre 26, verset 17 à 20. Matthieu 26, 17 à 20. Et Matthieu 26, verset 26-28. Est-ce que nous là, c'est nous qui avons dit le matin? Et puis, on a regardé 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 26. Est-ce que nous avons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue le verset? Matthieu, chapitre 26, verset 17-20. Affichez pour moi et je vais vous Bible dans même, s'il vous plaît, pour nous avoir. Les premiers jours de vin sans les vins. Qui est sorti là? 17 à 20, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 17. T'as les bambouis de la dent, tout m'a gardé parce que je bague un bip. Allez, on va t'aller, oui. Ok. Verset 17. Le premier jour de pain sur les vins, les disciples s'adressent à Jésus pour lui dire : où vas-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? 18. Il répondit : allez à la ville, chez un tel. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Non, est-ce que vous venez en ok. Donc regardez, nous, c'est célébrant, ou bien, mon qui est même Bible, célébration de la Pâque, institution de la Sainte Seine, comment Sainte Seine lui-même était instituée. Qui ça qui vraiment la Sainte Seine? Et maintenant, nous voulons que.
pour focus et essayer de comprendre bibliquement qui ça la Bible a parlé de dans cette scène et focus un peu grammaticalement comment capable d'interpréter le texte là pour joindre vraiment ce que la Bible lui-même lui a dit. Parce que la Bible lui-même n'est pas juste parler pour parler, mais ça prend vraiment compréhension du Saint-Esprit et ça prend vraiment une compréhension de grammaire pour vraiment et comprendre et bien assimiler qui ça qu'a dit dans le texte. Le premier jour de la, le premier jour des pains sans levain. Pain sans levain, hein, c'est le président, c'est vraiment la Sainte Seine. Pain ça qu'on a mangé, hein, pain ça qu'on a gardé, que nous préparer pour sa Sainte Seine, il n'y a pas gagné 20 là-dedans. Imaginons que quand y a là, si on a fait la Sainte Seine, ou elle va avoir un pain avec les vins, tout le monde a consacré les vins. Bah, vous savez, consacrer les vins. Nous comprenons ça que les vins. Les vins sont graisses que vous mettez en dents farine qui pour rendre le pain à lui-même grossir. Eh bien, la Bible a parlé de pain sans levain. Elle veut dire pour préparer la cette scène, ou pas qu'à venir avec un pain qui gagne les vins là-dedans pour payer pour dire c'est cette scène. Non, parce que la Bible dit payant l'idée sans les vins. Vous comprenez? Il dit que le premier jour de la semaine des pains sans levain et les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Sainte Seine ?» Bon, comme on est au Canada et il y a des gens qui font des compagnies qui préparent la Sainte Seine, nous achetons, mais la Sainte Seine, ça va prendre là, pain ça avec Jésus de raisin, c'est pas un pain où tu dois acheter dans un magasin. Parce que pain, il y a des gens qui doivent, qui préparent, qui doivent comment pour faire pain pour que vous-même vous capable prendre. Imaginons que les gens qui traitent pain n'importe qui, gens qui fait juste les préparer les baroules. Mais Christ lui-même, ou même avec les disciples, il y a une façon que vous demandé, vous avez préparé pour vous faire pain. Par contre, jusqu'à là, est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Parce que ce n'est pas juste pour que vous achetez, mais il y a des gens qui sont disposés qui vous préparent. Oui, vous êtes venu, mais la Bible, c'est mieux que si nous-mêmes, nous avons des gens qui préparent, qui vous préparent pain, hein, et la Bible demande comment pain ça doit être préparé. Et lorsque vous préparez pain, hein, vous priez sur lui, et pain ça va venir, même pain que vous êtes capable de manger avec un café, il va vraiment gagner une signification très importante. Et dans le verset 18, il dit, allez à la ville, cherchez un tel. Où vous lui direz? Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Ça veut dire que depuis longtemps, pour que nous soyons capables de voir l'idéal, de façon que la Sainte Seine lui-même, lui te préparé. Ça a besoin de venir avec l'idée nous. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, parfois, nous essayons maintenant d'être nous connaissons toute bagaille. Nous comprenons que nous avons fait toute bagaille. Mais non, dans façon et dans méthode pour le préparer, pour le faire qui vous fait bon Dieu plaisir. Parfois, nous pouvons admettre que nous avons un chemin qui est bon, mais un chemin à lui-même n'est vraiment pas bon. Nous supposons appliquer ce que nous jouons dans la Bible. Parce que nous ne vivons pas pour le monde, mais nous vivons pour Christ. Mais si vous vivez pour Christ, vous devez faire ça que Christ lui-même lui recommande. En allant dans Matthieu chapitre 26, verset 28, 26 à 28, qui ça dit? Pendant qu'il mange, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il a rompu le qu'il a donné aux disciples en disant, prenez et mangez, c'est sur mon corps. Regardez bien, qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est donné aux disciples. Je veux comprendre le texte. Pendant qu'il mangeait, qui ça a mangé? Est-ce que vous m'avez dit, qui ça disciple a fait? Il a mangé qui ça? Mais non. C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Pendant qu'il mangeait, qui ça a dit après? Vigile. Jésus prit du pain. Mais s'il a mangé le repas du Seigneur, est-ce que Jésus a pris un pain encore? Non. Pendant qu'il mangeait, il était dans le repas. Il a mangé ou mangé. Par contre, c'est dur, il y a banane. Pendant qu'il mangeait, à l'instant que Jésus allait lui prendre un pain hein, pour qu'il soit capable d'expliquer au qui ça lui. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rompu. Et le donna. Libaille.
campaient, hein, mais ils ont mangé, ils ont bagaille. La Bible a dit qu'ils savent ont mangé. Hein. Nous la même. Amen. Ce qui est bon, qui vous pouvez regarder comment le verbe a écrit pour vous. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rompu et le donna aux disciples en disant prenez. Si Jésus peut cobayol, il va t'a dit et on va t'a dit manger, non. Ah, moi, tu dois comprendre comment. Ça veut dire que c'est une bagaille, même là, on a parlé de Jésus, on a parlé de la Bible, mais avant sonder. La Bible dit ça, sonder les Écritures, c'est vraiment consulter. Est-ce que ça m'a dit dans le texte là? Est-ce que c'est lui qui écrit? Je dis, mais comment j'ai peint là? Je t'ai mangé une autre bagaille. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu et le donna aux disciples en disant prenez, mangez, ceci est mon corps. Pain, hein, que Jésus lui-même lui dit, hey, mais pain ça que moi, bah non, hein, pain ça lui représentait comme moi, mais avant de dire ça, lui prier sous pain, lui sanctifier pain. Hein. C'est pas juste où on peut dire, oh, tout pain c'est quoi Jésus-Christ, non, c'est pas tout pain qui quoi Jésus-Christ, mais c'est pain qui gagne, qui s'enlève, hein, ou fin prier sur lui, ou sanctifier, ou dit pain ça, hein, lui c'est quoi Jésus. Si vous pas d'accord, bon. Ceci est mon corps. Après ça, qui ça veut dire, c'est dit? Ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il les donna en disant, prenez en tous. Ok, il prit, il va prendre ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, après qu'elle finit prier, parti paix en fait, il finit prier et il prend une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En les disant, buvez-en tous. Qui ça lui fait? Il prend d'abord une coupe. Une coupe, là, c'est verse 1 qui remplit de vin, et eh bien, il baille. Ce qu'on besoin de comprendre, la Bible dit, il prend une coupe. Est-ce que la Bible dit, c'est ton galon, c'est ton Christ, c'est ton canari? Mais qui ça qui est important après qu'il finit, Jésus priait sous vin? Il priait sous pain. Est-ce qu'elle dit, Jésus priait sous récipient qui te gagné le jus de raisin? Mais non. Les palais judéraisiens qui ont importance, les palais payants qui ont importance et récipients, qui ça la Bible dit de lui? Rien. De nos jours, la majorité des gens dit, oh Jésus a pris une coupe c'est un problème parce qu'il parle de vin, il parle de cruche, il parle de tout, mais Jésus n'a rien dit à propos du cruche. Bon Dieu, par exemple, dit rien à propos des récipients, il y a deux éléments qui sont importants dans tout texte là, c'est payant et judéraisiens. Nous d'accord? Est-ce que la Bible d'accord? Hein? Moi, je regarde, c'est moi pas bon qui pas correct. Dit. Parce que la Bible claire avec ça, on a besoin que vous compreniez pour que ça y ait un monde d'une église. C'est bien, la Bible dit, peuple a péri, faute de connaissance, mais avant de parler, consultez les Écritures. Pas juste parler, pas agir pour agir, mais gardez ce que dit. Hein? Est-ce qu'elle est fondée? Sinon, tout t'a gardé ça fondé. Nous pas quitter au bon monde qui pas comprendre rien, juste mener nous à l'écoute de lui. Il dit ça. Parce que dans qui va ça nous dire là, il dit prenez et mangez, c'est ça? Ok. Et 28, il dit car ceci est mort. Qui ça qui soit Jésus-Christ là? Qui ça qui croit Jésus-Christ? Mais un récipient de gagné, qui ça Jésus-Christ dit lié? Pour qui ça son problème de nos jours à l'église? Pour qu'il sache, un pile chrétien qui a un problème avec le récipient que tu as gagné. Et Jésus m'a dit que tu es bon valeur. Jésus m'a dit vers ça, me mette. C'est ça, non, faut que nous fassions bagarre avec lui. Il dit j'ai des raisins, lui c'est sans moi, et payant, lui c'est comme moi. Mais si vous comptez parler de lui, de verre, montrez-moi. Si vous comptez parler de lui, montrez-moi. Sinon, causez crédit. Il y a une importance. Il juste ou bon verre ou prier sous l'eau, mettez pour faire pour Jésus-Christ. Pain important, généreux important. Le verset qui va s'annoncer dit, ceci est mon sang, le sang d'alliance. Qui ça sent yé? Qui ça yon alliance yé céphalie? Et vous, Ernest? Oh. Hein? Est-ce que vous avez un exemple d'alliance ou faire vrai ou laisse? Moi, avec madame, moi. Ou faire une alliance avec madame, ou tout le monde jamais quitte elle jusqu'à ce qu'on mourit. Yeah, yeah. Et mais qui s'est gagné, ne repasse cette scène. Jésus-Christ dit, fais cette scène.
maintenant, tout autre que moi, pas qu'on vienne sur la terre, il est toujours fait. Mais vous avez l'église dit, il y a n'a pas touché, n'a pas fait chaque un an, n'a pas fait chaque six mois, n'a pas fait chaque huit mois, n'a pas fait chaque pas. Il dit faire tout autre qu'elle m'a convenu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, depuis que nous réunissons, nous avons cette scène. Quel que soit le service qu'elle fait ou qu'elle participe dans le corps du Seigneur. Il y a une noix sous blanc, frère Magari. Sous pas d'accord ou pas d'accord. Si le pasteur là qui a prêché la Lidou, c'est chaque premier dimanche, m'a dit qu'il faut écrit dans la Bible là. De Genèse Apocalypse, ça va exister. Par adim l'église par comporte la cette scène. Qui met les livres qui comporte la cette scène? N'a pas mis le code pour l'acheter. Bon Jésus-Christ dit fait chaque année nous réunions mon dîme chaque premier dimanche, dis-moi. Quand on joue une interprétation, chaque premier dimanche, dis-moi, de Genèse avec Apocalypse. Mais si la conversation pour lui pas faire réflexion l'homme. Qui est-ce qui est d'accord ça? Hein? Il m'a dit, si vous n'avez pas la Bible, vous êtes hors de la Bible. Il n'est pas biblique. Parce que là, on parlait de la septième, on parlait de ce que Jésus-Christ fait. Il dit, car ceci est mon sang, le sang d'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour les rémissions des péchés. Si qu'on y a l'Église, c'est grâce avec le sang de Jésus-Christ qui bat nous liberté. Et l'Église même, Jésus-Christ dit, chaque fois qu'elle nous réunit, nous devons prendre ça, annoncer la mort jusqu'à ce qu'elle me retourne pour dire qu'il va prendre. Et bien, contre le Jésus-Christ qui était mourir. Si un chrétien dit pas prendre la septième, ou contre la mort de Jésus-Christ. Bon, son alliance li fait, ou de pas marcher dans l'alliance là, et pour chrétien, pas mon chrétien. Yon chrétien pas qu'à la septième, ou pas chrétien ou son malade. Yon moun la septième n'a pas ses devants, ou sans tout pas qu'à toucher, si Jésus-Christ a vu nous sans tout pas prêt pour aller dans le ciel. Gon bagay qui m'a rien, sac ma ou l'ordre de retirer, et puis pour avancer. Hein? Amen. 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 Qui prend tout, mais les réseaux ça ou après qui ça la Bible dit, a dit en pile film dans mitan nous ou quand moun n'a vivre la marché, la fait tout ça veut li malade, s'il pas malade spirituellement, li malade physiquement, malade quand même. Gon bagay qui pas développer kay moun nan. Bon Dieu papa menti non? Oui, ou prennent mal. Et ça que la Bible dit, les gens disent qu'il y a des gens qui prennent mal dans le temps nous, mais les prennent mal là, aux conséquences. Ce n'est pas juste prendre pour prendre, mais leur prennent mal là, aux conséquences. Ah. Avec dit, ou par exemple, qui la monde, quand le combat y a réglé, il passe misère, parce que mes bon Dieu sous lui, ou à joie, bon Dieu, mais l'on la vie, il n'y a pas vivre, il y a une souffrance. Il y a là, mes bon Dieu sous lui. Ah, ça veut dire l'open mal la bonté pas rien. Continuez. Continuez. Il dit qui est répandu pour plusieurs pour rémission des péchés fini. Ok. Dès qu'on l'entend encore, oui. Ça veut dire que. Ça veut dire que quand pile monde qui comprend nos intelligents, l'eau ou pas intelligent devant mon Dieu, il y a lorsque tu as fait faut ou mettre en mesure pour vivre avec mon Dieu et respecter ce que mon Dieu dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23-26, comme ce verset que nous lisons souvent, il dit à cette occasion, il a demandé à ses disciples pour que les disciples eux-mêmes te mettent dans un état pour te marcher avec Christ. Et nous-mêmes, je ne veux dire, nous supposons mettre nous dans le même état. Ce n'est pas juste dire que c'est chrétien. Mais où doit être chrétien en temps, où doit être chrétien dans la pensée, où doit être chrétien dans le comportement, où doit être chrétien dans toute intégralité, mon voix c'est chrétien et parole ou dire c'est chrétien, action montre c'est chrétien, même dans dormir qui est chrétien. Quel que soit votre doit être chrétien. Amen. Ou juste penser, ou juste dire en temps c'est chrétien, et puis moi-même juste agir, et puis même si y a parlé, même si pas caprio, pas cafoyant, pas carré, rien pas dérangé. Ça même. On allait garder pour nous dans Jean chapitre 13, le verset 2. Jean 13, tu sais le dire? Il dit, et après le souper, les démons ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, Dieu le trahit. Jean 13, il dit, après souper, hein, regardez que malgré que Judas lui-même est ensemble avec Jésus-Christ, c'est pour discipliter quand même.
Mais qui ça Satan fait, il rentre en dedans. C'est pas parce que ou c'est chrétien, même Jésus, nous voyons Jésus t'est tenté. Mauvais esprit a qu'à venir, mais ça fait la Bible dit, le Satan, le diable, il nous environne pour nous faire tomber, mais l'Éternel nous a secours, nous a secouris. C'est vrai qu'il y a des bagailles qui arrivent sur nous, mais est-ce qu'on peut succomber? Est-ce qu'on peut laguer pour même oublier qui est souillé? C'est ton plan. Il faut que Jésus-Christ ait été mort. Il faut que nous-mêmes nous sommes capables de réconcilier avec Adam qui était vendu noir. Pas oublier que après le contexte, il y a des théologiens qui vont aller dire Adam attaquait le premier Jésus. Adam lui-même n'est péché et bon Dieu lui réconcilier ensemble avec nous. Dans l'air, nous t'a dit, ok, frère Moïse t'a dit, ok, Jésus lui-même n'était campé. Il n'a pas jamais tombé devant Satan. Oui, c'est normal. Parce que la Bible dit, c'est Jésus-Christ qui vient venir pour retirer tout le monde dans le péché. Si Satan, Jésus-Christ lui-même était tombé, et pour Adam lui-même était tombé, comment pour Dieu lui-même il a gagné l'humanité? Mais il a gagné trop erreur. Après Adam lui-même il fait le péché, oui nous-mêmes nous péchons, mais bon Dieu lui réconcilié avec l'homme par rapport avec le sang de Jésus-Christ qui va nous en liberté totalement. Mais parfois nous-mêmes nous oublions, c'est que nous avons bon Dieu qui nous a servi. Mais pour nous grandir, pour nous marcher, pour que nous soyons capables de vivre par rapport avec le péché, ça, que Jésus-Christ lui-même, lui retire nous, nous devons rester en commun accord, nous devons rester, nous et l'autre pour nous supporter et grandir dans la prière. Qui est-ce qui est capable de vivre sans la prière? Pour qui ça la Bible dit prier sans cesse? Nous faisons une réflexion. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Jésus dit toute vérité à bon comprendre cachée dans le livre. Allô? Amen. Est-ce qu'on pas connaît Jésus-Christ dit? Depouem ou est papa, vrai? Amen. Ça veut dire, depouem Jésus ou est papa, c'est que ou est toute la parole en dedans Jésus-Christ. Réfléchis dans Jean 11, verset 35. Jésus a prié et demandé disciples au vine Edem. C'est que Jésus vient arriver en faiblesse, pas vrai? Il m'a dit aide. Et puis, pour même l'église, on n'a pas besoin de venir dans le service de prière un jour. Et Jésus qui était rempli de toute grâce, de toute sagesse, de toute connaissance de Dieu, et Jésus t'a demandé la prière. C'est pas sans raison que la Bible dit nous, nous devons demeurer dans la prière. Pas qu'aucune façon que l'église, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes capables de porter la victoire dans le monde sans que nous pas la prière. Sans que nous pas gêner, oui, nous travaillons, nous grandissons, mais le temps pour que nous te percer plafond, hein, nous restons là comme ça. Mais la prière, il faut que nous capables de prier pour Dieu pour nous grandir. Mes amis, nous faisons, nous, c'est le monde qui appartient avec mon Dieu. Si que la scène a passé, nous avons fonctionné mal, nous avons agi mal, nous n'avons pas bon comportement, attitude n'est pas bon, c'est normal. La scène a passé, nous n'avons pas compris. Et c'est normal, si quelqu'un n'a pas désiré, on connaît l'état pas bon, pas fait semblant que bon Dieu est l'état pas bon et on prie, on demande aide pour que quelqu'un puisse changer. C'est pas sans raison, la Bible a parlé de réconciliation. Réconciliation pour la Sainte-Seine, réconciliation avec Dieu, pour marcher avec lui. C'est lorsqu'on t'est dans l'état, et t'as été bien avec mon Dieu, on raison pour l'autre, ou tomber, qu'on va gagner qui passait, ou il pas qu'à marcher bien, et bien qu'on l'écrivait pour réconcilier avec mon Dieu, ou dit papa, qu'on t'aime t'aille, moi pas me l'aider là encore, mais besoin aide pour avancer. Bon Dieu pas jeter le monde à l'infini. C'est pas parce qu'on te fait un bagage et puis vous faites, et puis bon Dieu juste vous jeter, le dit bon, et puis vous finir avec vous, tout bon sans temps non. Ou t'es capable de marcher avec 99 pour te lever dans 100, ou tomber. Ou vous tomber à 0. Mais souvent, fait 1, fait 2 cognats, fait 3, fait 4, fait 5, 6. Essayez de remonter moral, monter capacité spirituelle là, rechercher mon Dieu. Parce que nous avons plusieurs monde qui tapent marcher avec Jésus-Christ. Puis il a dit, moi-même prêt pour mourir pour vous, maître. Et pas vrai. Mais Jésus dit, même avant qu'on la chante trois fois, vous avez régné moi. Et automatiquement, il a posé la question, dit, moi-même pas connaît ni tout. Il dit, pas connaît Jésus-Christ. Là, il vient oublier, il nier,
Dieu par grâce et bon Dieu remonte lui recontinuer le travail. Chaque monde qui là, malgré quelle que soit la situation, mode de vie qui ont mené hier, mais ça qui est passé hier, le fin passé, mais gardez le présent maintenant pour continuer ensemble avec bon Dieu. Oui, l'homme est capable de tout ça dit, et bon Dieu lui-même lui ouvre la porte là pour lui continuer ensemble avec vous. Mais si bon Dieu fait grâce, pour que ça n'a grâce que bon Dieu fait là, ou à jouer avec ça? Pour que ça y ait un bon état qui pas bon, mais bon Dieu sauve au matin, lui mettons dans l'autre place, lui retirons dans la misère, mais qu'on y a le mettons dans façon pour servir, et qu'on y a marché clopi clopin. Lui pas bon. Bon Dieu fait trop bon bagay pour nous négliger servir bon Dieu. Bon Dieu fait trois bagailles importantes dans la vie, moi-même ensemble avec vous. Et de nos jours, pour nous venir dans le service de prière pour une temps, deux temps, nous sentons que nous ne sommes pas capables de venir. Et même tout ça, sur Haïti, tu as marché dans Charlotte, tu as marché dans Victoire, tu as marché de tous côtés, tu as marché sur la montagne, tu as marché dans 400, mon groupe qui est les 440 hommes de backup, ou tu as marché dans tout pour chercher bon Dieu. Et l'autre a marché, ou t'as marché, cherché. Moi, je connais qui est en Haïti qui est quoi, qui est quand il va dormir là-dedans, la paix des machins dans l'église, mais la prière, qui est fonctionné, pas arrêté, la chercher mon Dieu. Ou de chercher mon Dieu, ou de comprendre, même si Canada, c'est pas la vie, dans les affaires françaises, on dit ça, dans la partie spirituelle, Canada, pas gagnant, on la vie éternelle là-dedans, même je vois que tout le monde a marché, menté, qui est en Haïti, tout est pauvre, tout côté, qui est misère, tout côté. Lorsque bon Dieu faut bagaille, vous devez monter drapeau, bon Dieu, vous devez parler de bon Dieu, vous devez montrer bon Dieu par un gras devant nous. Ah, et l'église. C'est l'église. Nous mais l'église tout défaut. Nous mais l'église, bon Dieu, nous vite comme ça, nous virer comme ça. Mais nous sommes capables de temps pour nous préparer. Nous avons une adoration à vivre pour bon Dieu. Où est mon tellement fatigué? Pas que nous qui avons pris une heure de la prière avant qu'elle commence pour nous préparer ce visage. Tout le monde y a problème. Et on dit peut-être faire mal bon Dieu, bah, ou que t'en. On a dit, je ne vais pas le travail, je dis, non. Ou bien, il y a l'automatique. Bon Dieu par l'homme. Si bon Dieu était l'homme, quand pile bagaille dans la rue, bon Dieu coupé déjà. Bon Dieu par l'homme, ou même ou moun ou bien avec lui, ni seulement pile ou bien garde mal, ou fait 3 semaines, 4 semaines, ou tu pas parler avec lui. Mais si bon Dieu était l'homme, il te gardait à l'entour, comment agir à Zami, comment agir à famille, comment agir même à propre tout, il était fini avant déjà. Mais bon Dieu par l'homme, il va façon comprendre la réalité, il va le garder, il va le soutenir, il va le protéger, il va le guérir, la prendre soin, juste pour qu'il sauver, parce que bon Dieu lui-même n'est pas l'homme. Est-ce qu'on réfléchit ça? Est-ce qu'on comprend que si bon Dieu était l'homme matin, qui côté moi-même avait ou nous t'avions matin? On va penser qu'à pile dans nous t'avons fini déjà. On va penser dans nous que dans la misère nous t'avions. Parce que façon que bon Dieu comprend la vie, mon, c'est pas qu'on soit même comprendre. Juste c'est habillé avant, l'habiter pour côté, je dis à l'émandou, on tisselle des mains, m'a dit encore, ou est en vrai, ou même son monde, et on dit celle-là, et moi, la pour être elle, ou est en vrai, toute qualité. Mais, changer de comportement, changer d'attitude, que y a une bagaille qui est importante dans la vie, c'est songer qui côté, bon Dieu te prend, et qui côté, bon Dieu me t'aime, qui salve en dame, qui moun mouye jodi a, et grâce à qui moun. Que moun qui gagne l'argent, papa ou gagne l'argent, maman ou gagne l'argent, mais yon pas qu'à finir l'école, parce qu'il y a un problème maladie, mais c'est bon Dieu seul qui est capable. Pour qu'on marche tout l'hôpital, marche, et le docteur a dit, bah ouais. Et l'on venit, bon Dieu lui ouais tout bagaille. Bon Dieu ouais tout bagaille. Pas jamais essayer de briser la relation avec mon Dieu. Parce que bon Dieu a une relation avec nous. Il dit nous restez là avec moi pour nous annoncer. Retourne-moi. Où vit l'église? C'est ou pas malade? Ou pas adorer bon Dieu? Qui a dû camper? Et camper? Ah, c'est un terrain pas occupé. Ah, il fait oui, laisse qui dit m'avancer devant. Mais non, la faute travail pour bon Dieu. Pendant que avancer. Ils ont dû camper, ou pas sous côté d'où, et l'église ou vini, ou pas la caillou,
dans le salon, ou fait sauver, mon vieux l'église, je dis, mettez debout, levez-moi pour prier, mon Dieu, priez, mon Dieu, levez-moi pour adorer, mon Dieu, sous tes besoins, pas son bon moment, ou pas besoin de monde dirigeant, ou pas besoin de monde du savoir, recevoir shit à la caillou. Mais sous l'église, je dis, camper, camper. Je dis, shita, shita. Pas bon monde qui a dirigé. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous montrer, nous désaccord de toute façon. Ou bien l'église de Kapé pour adorer, bon Dieu, ou Chita. Mais ne kaye qui nous nouye. Ou pas la caillou, ou kaye bon Dieu, sous tes respect. Pour bon Dieu, moun qui te du Kapé, ou tap Kapé. Sous malade, ou tap dit, ah, mes amis, je dis, ah, excusez-moi, ma composition qui pourra pas avec moi parce que m'a pas bien. Aïe, même la caille, bon Dieu, tout pas l'obéissance. Ok. C'est vrai. Considérez bien. Qui moun la tap gade un visa ambassade au pays, pour yon du Chita dans le bande yon pour le vivre devant. Personne moun. Mais souvenez l'église, yon tu avance devant. Pour qu'ils soient râlés corps, ou râlés corps, pas avancer vite devant. Mais quel type de chrétien est là? Yon tu en chitade, yon tu n'a pas sous côté, n'a pas sous côté, fait qu'un plaisir. Parce que quel que soit côté, y a le principe, la caille de Dieu, les redis cette scène, chaque fois nous réunis, mettez-nous dans la condition pour nous prendre. On fait bon Dieu plaisir. Nous ne pouvons pas pour tête. Nous, ce n'est pas nous-mêmes qui disons. C'est bon Dieu qui demande. Ou faire pour bon Dieu. Ou venir l'église. Ou venir adorer bon Dieu. Ou pas venir pour le monde. Ou pas venir parce qu'on vous bien avec un tel. Ou venir parce qu'on bon bagaille qu'on vient chercher. Sans qu'on vient chercher caille bon Dieu. Il dépend de ou même ensemble avec bon Dieu. Il ne dépend pas du monde. Si regardez dans Jean chapitre 13, le verset 2, est-ce qu'on te lit déjà? Le verset 4. Il dit, vous savez où je vais. Vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout le monde qui te vient joindre Jésus matin, ou joindre avec mon Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ déclare, cette doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si matin, hein, ou son monde qui fait la paix avec Christ, juste remettre bon Dieu la vie, demander Seigneur lui-même pour le conduire. Commencez à retirer le moi dans vous-même. Commencez à retirer moi-même, Madame Etel. L'on vit l'église ou pas Madame Etel, ou la caille Jésus. Oui, la caille là. Mais l'on là, ou caille bon Dieu. Pardon, caille bon Dieu, mettons en position pour adorer, pour faire bon Dieu plaisir, oublier tout souci là que on a mis bon Dieu. Mais si vous faites ça, bon Dieu lui-même la comprend. Si vous faites ça, dans la prière, dans la demande, bon Dieu a compris nous. Mais, vu que c'est vous qui faites plus gros classe dans le temps, moi-même, j'ai une licence. Dans tel bagage, pas de monde qui camarade moi. Mais Jésus lui-même, il était descendu pour pêcher poisson en tant qu'un grand philosophe pour te quitter mes avec, pour te dire, on fait route là ensemble. Il était campé en tant qu'un monde pour voir mon Dieu où est-il, pour te descendre à terre pour aller chercher une prostituée, pour te dire, on quitte mes routes là, on a grandi ensemble. Mais ou même, juste pendant mon job, vous touchez 1 dollar, 2 dollars en plus, ou juste pour moi-même, quand elle vient sous talon, non, pas de monde qui me respecte, c'est moi qui finis en chef là, ma rien encore me connaît, moi-même pas qu'on a rien, c'est vivre ma vie, mais non, bon, pas quelqu'un qui a manqué. Ou bon bagaille ou manqué. Ou bon bagaille qui a manqué. C'est pas un problème, non. Problème, il y a plus de monde qui a un problème. Maintenant, il y a l'argent. Il n'y a pas l'argent, il sort les milliers. Il sort les jetés. Il y a un problème. Il y a un problème, il sort bon, frère, il ne laisse pas un camarade. Le problème, non. Il n'y a pas l'autre côté, il y a un problème, non. Ou pas vous pas bien. Ou riche ou pas bien. Ou pas vous pas contre Dieu. Ou riche ou pas contre Dieu. Ou qui ou pas contre Dieu. C'est un problème, non. Parce que toute étape n'est pas bon pour vous. Mais maintenant, Mabdou, pour réaliser vie, fais bon Dieu confiance. Baille un petit temps de plus qu'à bon Dieu. Parce que quelque chose que vous cherchez,
m'a tout ça, on met quelqu'un 20 jours. Pourquoi on est bon Dieu, c'est bon Dieu qui a fait un projet pour dépenser l'argent. Ou à dépenser. Et yon frère qui a petit job à $17 avec toutes ces affaires. Et ou même ou avoir tellement de projets, ou projets, on n'y est pas qu'à réaliser. Mais maintenant, vie, c'est une vie de prière. Vie, c'est une vie que vous cherchez, mon Dieu. Je vais toujours dire, nous avons une salle qui est là, nous avons un garçon à l'église là, pas qu'on réunion de prière pour garçon. Mesdames, yo, marié, yo, nous avons temps pour nous prier, mon Dieu. Il y a plusieurs groupes que nous sommes capables de faire. Vous priez sur Facebook. Si mon Dieu n'est pas d'accord, pour te la prière ensemble. L'Ipatam, je me dis, Pierre, tu es bien, et sur cette, et bien, je bâtirai mon église en tant que un grand philosophe, en tant que bon Dieu, en tant que un gros technicien. L'Ipatam inventé une plateforme pour tout le monde être là, ailleurs, pour adorer dans la chambre, ailleurs, pour te communiquer ensemble. Mais dis, c'est mieux de nous demeurer ensemble dans la prière. Je dis à l'église, à Vlèche, pour nous figuer des styles. Nous, nous devons figuer pour nous adorer, pour nous faire toutes les affaires, pour nous. Mais nos bon Dieu, pour nous grandir ensemble, et nous grandi ensemble, c'est là que nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la tranquillité. Je n'ai l'église d'une virée, il y a juste un club qui est moi-même fait affaire beaucoup de moi, ça fait affaire beaucoup de lui, mon pas parler à mon, mon pas agir à mon, là pas pour l'église. L'église c'est une institution pour tout le monde qui vrai, qui sait collaborer ensemble pour que nous capables de grandir. Sinon, on bagaille qui manque. Et maintenant, nous. S'il vous plaît, nous prenons position nous, pour nous servir, mon Dieu. Si vous avez une position pour servir, mon Dieu, pas pour l'autre monde qui vous appelle. Et si vous êtes l'exact, quel on veut ou non, nous mettons tout nous-mêmes dehors, nous mettons toutes les fois nous dehors pour nous adorer, mon Dieu, pour nous faire, mon Dieu, plaisir et pour nous tous sauver. Amen. Et si que nous ne comprenons pas, il n'y a aucun problème. Non. Et quelle que soit façon, ou non, mon papa dit. Et non, mon papa dit. C'est pour nous, nous mettre les mains ensemble pour nous rapporter la victoire. Même si diable a fait quelque chose à faire, nous-mêmes qui l'a, et pour nous sauver. Quelque soit ça, marée noire, c'est pour nous-mêmes nous jouer la liberté, nous, et pour nous aller dans le ciel. Nous avons une mission pour nous dans l'enfer à diable. Diable va dans l'enfer avec tout acolyte, nous-mêmes, quel que soit monde qui fait partie ensemble avec nous, mission, nous, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Et maintenant, vous voulez que chacun comprenne. Libérez le cœur, libérez l'esprit, libérez la pensée. Et si vous faites bon Dieu un bagage qui va bon, rentrez en connexion avec lui. Rentrez pour parler ensemble avec lui. Pour lorsque vous participez dans la Sainte-Seine, pour prendre en joie, et pour prendre avec cœur, et pour prendre avec tout vous-même. Si vous bagage que vous faites bon Dieu, qui te produit moi ça, bat moi qui venir pour le produire, bat année qui venir pour le produire, bat pour jusqu'à ce que vous mouriez, pour errer que vous avez fait hier, il n'y a pas produit dans la vie encore, pour continuer l'autre chemin pour bon Dieu. Nous souhaitons que si nous faisons ça, nous travaillons vraiment pour le Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. L'église, bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous avons chanté pendant que le pasteur nous a préparé pour la Sainte-Seine. Nous allons commencer à chanter. Nous avons chanté 137 français. Qui dit mon corps, mon cœur, mon âme, ne m'appartiennent plus. Jésus, il est soir, et soir, moi.
matin, c'est un plaisir pour chaque monde qui participe. Qui prend participer dans cette scène. Comme matin que nous avons regardé que c'est un travail que bon Dieu lui-même il t'a parlé ensemble avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même qui t'est mort. Et si vous allez regarder bien dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, nous t'a parlé tout à l'heure, il t'a pris deux éléments. Et si chaque monde t'a regardé matin, vous t'a repé ça, passe ensemble avec nous. C'est vraiment Jésus qui représentait sang de Jésus-Christ qui était versé sur la croix. Et moi-même, ensemble avec vous qui connaît que Christ est mort et il est ressuscité. Et lorsque vous regardez dans Hébreux, chapitre 9, le verset à partir du verset 11, 13, il dit, le verset 13, car c'est le sang de taureau et des boucles et du sang de vache. Aller égorger une petite ligne juste pour ça te servir comme un sacrifice. Et l'on continue à garder dans le verset 14, il dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel sauve lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres des morts afin que vous saviez que le Dieu est vivant. D'après les théologiens qui parlent, livre hébreu semblait écrit par l'apôtre Paul, ou l'auteur inconnu, eh bien, l'auteur lui-même n'y a parlé que sans Jésus-Christ, non. Il était là pour te purifier, non. Et matin, hein, si moi là, ma vie, et me dis la vie éternelle, c'est pas en rien, c'est grâce avec le sang de Jésus-Christ. Sinon, Satan le diable, t'as fini avec nous. Mais maintenant, bon Dieu fait nous grâce, lui nettoyer nous, lui protéger nous, lui bat nous. Chose ça que nous-mêmes nous vivons là. Et lui important, maintenant pour nous chaque, repasser conscience nous. Gardez qui est-ce nous hier matin, pour que nous capables de participer. Non, cette scène-là. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, Jésus bien parlé. Et allez à nous te sortir, regardez verset. Nous, qui ça Jésus-Christ, nous dit ça. Et pour même qui la matin, il y a une obligation pour moi-même, pour vous-même, pour que nous mettions nous en accord avec mon Dieu. Et regardez bien, il te prend, il dit, quand je reçus du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Et ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Chaque monde matin là, qui peut manger, qui peut brûler des raisins, qui peut prendre cette scène ça, ou pour annoncer la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Mettons-nous même, pendant que vous pouvez avancer pour vous prendre, et nous avons dit avec Jacques Agnel, capable de prier pour sanctifier, payant à la gloire de Dieu. Nous avons dit à vous-même qui pouvez participer dans cette scène-là, pendant que vous pouvez prier, mettons debout. Pendant nous parler la prière, mon Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, le Dieu de toute la terre, le Dieu d'éternité en éternité, nous te merci. Seigneur, nous te merci pour le travail ça qui est occupé pour nous, Seigneur, qui est une alliance avec vous. Le matin,
matin, Seigneur, c'est pas grâce à nous-mêmes. Grâce à la croix, Seigneur, nous pas exister matin. Nous avons telle liberté matin, Seigneur, pour jouer nous-mêmes tout. Nous capables de chance pour nous approcher de table ce matin, Seigneur. Côté Seigneur, nous allons participer dans le repas ou dans le corps, Seigneur, qui se paye, qui représente le corps. Et le jus de raisin, Seigneur, qui représente le sang au matin. T'en prie, Seigneur, déjà entrer là-dedans, Seigneur. Déjà changer de pain, Seigneur, encore ou même, Seigneur, qui se corps. Et Seigneur, nous-mêmes qui pourrons participer. Même si nous avons une maladie, Seigneur, qui a développé, non, encore nous qui nous ne connaissons pas. Mais à travers de pizza que nous allons manger, nous allons sentir nous guéris. À travers de jus de raisin, ça, Seigneur, que nous allons abrir, Seigneur. Nous allons jouer une solution et nous allons guérir à travers la maladie. Nous. Même si, Seigneur, tu as un monde qui t'apprend indignement, Seigneur. T'en prie, par aller au jugement sous lui, Seigneur. Mais même s'il t'a malade, Seigneur, dans le corps, lui, nous faisons que, Seigneur, nous jouons une guérison dans mon moment, Seigneur. T'en prie, Seigneur, entraîne en paix à multiplier pour nous, Seigneur. Et fais que, Seigneur, paix ça, lui qui représente le corps, au Seigneur, qui s'évaille une bénédiction pour la vie, nous. Ce n'est pas seulement pour qu'on y a, Seigneur, mais c'est pour tout le temps et pour toute l'éternité. Oh.
matin, Seigneur, c'est vous connaissez plus que nous-mêmes. Matin, bon Dieu, n'a pas merci pour l'église. Merci pour chaque monde qui est là. Merci Seigneur. Merci bon Dieu. N'a pas de pour une semaine prochaine. Pour plus vite participer à la caillou. Pour venir réjouir. Pour venir bénir. Que semaine là, Seigneur. Une semaine de victoire pour chaque monde qui est là. Père éternel, nous disons merci. Nous pas prier autant que monde qui est bon Dieu. Nous pas prier autant que monde qui chisse. Mais nous prions au nom de Jésus. À lui soit seule la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci au Papa Prabasso. Que bon Dieu bénisse. Salut, salut mes amis, à toute la communauté québécoise, à toute la communauté latine. Si tu as besoin d'un bon photographe, tu peux contacter à Witness Production. Si tu as besoin pour un mariage, pour l'accouchement, pour la fête de naissance, pour un fight, viens à Witness Production, c'est le meilleur. Salut, salut.